Salut, salut! J'espère que vous allez toutes bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens encore une fois pour un vlog. Je serai avec Andrea, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos de septembre, comme ça. Et je reviens pour un vlog un peu particulier, en gros, avec une application. Le lien est dans la description. Bref, on met plusieurs options. On met par exemple la destination, on va mettre Bruxelles, Liège, Mons, Charleroi, des trucs comme ça, Knok, Ostendala. On appuie. Et genre ça fait genre une roulette, ouais, comme un peu genre au casino quoi. Et ça indique le choix qu'on doit prendre. Et du coup pour la destination, les activités, ce qu'on mange, enfin tout ce qu'on fait de cette journée, bah c'est l'application qui décide en fait. Et en fonction de ça, bah on fait notre journée. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mettez la cloche. Et bah voilà, profitez bien de la vidéo. La manière dont je suis fatiguée là. Oh! Moi, il y a des sorties, vous voulez annuler, hein. Mais comme ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre copine, je prends le courage entre les mains. Comment on dit? Je sais pas comment on dit. Eh les gars, je suis fatiguée. En fait, je suis en train de casser mon rythme de sommeil parce que depuis, je suis en train de refaire mes vidéos et ça me fait trop du bien, vous voyez, ça me fait trop du bien de refaire le montage. Mais comment ça nique mon sommeil? Genre, hier, j'ai dormi, il était presque 3 heures. Pour me réveiller à 9 heures. Alors, ça veut dire, ouais, 6 heures de sommeil. Non! Moi, j'ai besoin de 8 à 10 heures de sommeil, et là je ne les ai pas eu, je suis fatiguée. En plus, je sais même pas comment m'habiller, genre j'ai rien à mettre. Et donc je m'achète des habits, ils m'ont ma paye. J'allais me préparer parce qu'il me reste un peu moins d'une heure et je dois me laver, m'habiller, me maquiller. Ah, je n'aime pas du tout mon outfit. Je vais essayer avec un jeans. En fait, oh putain, j'ai rien à mettre. Je vais la mettre et je voulais faire des photos. Par contre ça, je trouve que ça fait très 2016. Ah, oh, ça me saoule. Ouais, je crois que ça va. Hein. De toute façon, j'ai rien d'autre à me mettre. Putain, vous voyez cette tache, vous savez ce que c'est? C'est du parfum, la folie. Bon, maintenant avec quoi je vais mettre quel bijou? Perles ou mes croix? Je vais mettre ma grosse croix. Ouais, et je vais mettre ça avec mes Yeezy. C'est bon. J'ai peut-être un petit peu dramatisé la chose. C'est bon. Là, j'aime bien. Là, ça, parce que je vous avoue qu'avant, je n'étais pas très à l'aise dans mon outfit. Je lâche ou j'attache? Je crois que je vais les attacher plutôt. Ouais, je vais les attacher. Oh, je vous jure, j'allais être à l'heure. Mon père, il m'a dit, je dois ranger tout ça avant de pouvoir sortir. C'est une blague. Oh my god. J'allais arriver pile à l'heure. Je vous jure, je suis trop chaude. Je vais faire 3 minutes. Donc là, juste à taper une marche rapide au métro. Et c'est bon, je suis à l'heure, putain. Je suis une putain de gosse. Je vous jure que les métros, ils bug quand je suis pressée. Genre là, le métro, il est bloqué. Est-ce que ça a un sens? A few moments later. Je croyais que j'allais jamais arriver. André, elle va me buter. Eh, il est quelle heure? 11h. Il est censé se voir à 11h, elle a 20 minutes de retard. Ah! Mais ça va! Tu vas pas avoir froid. Hein? Tu vas pas avoir froid. Tu sais qu'il fait 20 degrés. Jure. Mais grave! Lui, ton doudoune. Mais ça, tu vas voir quand j'aurais fini mon vlog, j'étais en galère ce matin, je trouvais rien, j'avais rien à me mettre. Il se passe quoi avec ton tram? Ton métro? Je rentre dedans, le métro il avance pas. J'ai les preuves, hein. J'ai filmé, j'ai vlogué, j'étais pas sûre. Mousse. Bon, il est temps de visiter Mons, hein. Non, vraiment? Il y a quoi à faire à Mons? Je sais pas. Centre commercial à Mons. Ah bah voilà. J'irai un centre commercial à Mons. Non. Il y a quoi à Mons? Je sais pas, on va visiter. Et puis c'est nul, on se taille, hein. On fait les activités qu'il y a et puis on fait une autre destination. Mons. Ok. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on va faire à Mons? Oh. En approche de voie 19.
J'ai l'œil. Ah. Et tu vois ça ou hein? Il n'y a plus. Il était marqué. x7. Il était marqué. Là, regarde, regarde. De 11h28. Ouais, ouais. x19. Mais quelle heure? x19. Viens. Viens. Dans tous mes vlogs, je... Putain, je suis trop chaude. Il vient d'arriver. Mais ça, c'est la première classe. Il y a rien qui va. Allez, hop, 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 hop. Ok, on va découvrir les activités. Tu vois, 10 meilleures activités insolites à Mons. Il y a un laser game. Il y a encore que des laser games là-bas. Mais déjà, c'est quoi l'argent? Il y a un bowling. Quiz room. C'est quoi ça? Il y a un... Il y a un café où ils vendent des bières. Un escape room. Escape room. C'est quoi Imagix? Ah, c'est une... ah, ok, c'est un cinéma. Les gars, c'est l'application qui l'a choisi, ce qu'on a fait. Non, ça va juste. Oh non, Kira, Kira! Non, Kira, non! C'est vraiment tombe sur les bras. Pire truc, Mons Golf. Je veux quoi? Oh, Kira! Peut-être ça va être amusant. Là. Juste trop chaud, quoi. Un quart d'heure de la gare de Mons. Ah, merci. C'est pas loin. Ah, bah voilà. Okay, mais ça, c'est sympathique. Ah, tu vois? Mais le mieux, c'est ça vient au camp. Ah. Parce qu'il y a des lumières bleues et tout. Ça, c'est chouette. L'ambiance et tout, c'est comme dans une boîte de nuit, mais alors que c'est du golf. Bah voilà. Ça m'intéresse. Bah voilà, Bloody au golf. Golf au Bloody, plutôt, je sais pas. Merci, monsieur. Après, on dit, c'est moi la dramatique. Par contre, le regard, elle est grave moche. Hein. Moi, je te dis, c'est notre à Liège. Je n'aurais rien fait. J'ai déjà vu la gare de Liège, mais est-ce que Liège était marqué? Tu vas dougui 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 dougui. Ah, regarde, il est marqué centre commercial. Tu vas dougui 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 dougui. Attends. Parce qu'en fait, le golf, il ouvre à 13h. Donc, ça, c'est centre-ville, bulle et taxi. Et ça, c'est centre commercial. Mais tu veux pas aller? Tu vas aller où? Non, mais là, c'est centre commercial. City 2 et de Brouckère quoi. Au pire on va là-bas et après on retourne là-bas. De toute façon on a une heure devant nous à trouver un truc à faire. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment. C'est très calme. Ouais. Tous? Est-ce que c'est ouvert? Je crois que c'est fermé hein. Ah mais c'est même pas un centre commercial ça je crois. Ah je crois que c'est ça le centre commercial. Ça. J'ai oublié de mettre mon pansement. Vas-y les gars. Bon voilà. Sérieux, ça veut dire que votre vie est très très calme. Ah, je sais, il est midi. Mais à Bruxelles, à midi, il y a déjà beaucoup de gens quoi. Je comprends pas trop. Tu vois, moi je m'attendais à... Dès qu'on arrive, on rentre dans un centre commercial. Ah. Ah. Bon. C'est un hôtel 4 étoiles hein. Bon, c'est pas trop un centre commercial. Elle est passée où? C'est vrai qu'on se perd. Andrea. Je sais pas. Attends, tu veux que je demande? Ok, mais reste avec moi. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous savez m'indiquer par où est le centre commercial, s'il vous plaît? Les grands frères. C'est oui. Là-bas. Je vais traverser, prendre la rue, là où vous voyez le restaurant. Ah, merci beaucoup, au revoir. En fait, je t'avoue que j'ai pas compris ce qu'il m'a indiqué. Mais en fait, c'est vrai que je le dérangeais, du coup, c'était trop gêné pour lui redemander l'explication. Ouais, ouais. Je te dis, c'est bizarre. Attends, mais oh, j'utilise Google Maps. Bah oui, on est trop bête. On fait comme si on était au Moyen-Âge. Voilà, t'as vu Kira, c'est là-bas. C'est toi, ouais. Mais elle est folle. C'est elle qui a le GPS dans les mains. Et elle dit, ah, on a passé le pont pour rien là.
Attends, mais tu sais que le Grand Prix il est là-bas et le golf il est là-bas. Hein. Votre copine elle est avec moi. Moi, je lui dis, j'aime pas les ponts. Elle me fait remarcher pour la troisième fois sur ce pont parce qu'elle sait pas lire un GPS. Non, non, non. On va arriver là-bas, ce sera 15h. T'es sûr? Non, moi je t'ai dit, si c'est pas là-bas, je retourne plus sur ce pont. Hein. On va taper le détour du siècle s'il faut, mais je repars plus sur ce pont. Voilà, là ça ressemble plus ou moins à une ville. Non. Comme... Ok. Je sais pas, je vois, il y a des bancs, il y a des routes, il y a des arrêts de bus. Non. Après, on prend le train. Ok, c'est ça leur centre commercial. Ok. On dirait un peu une salle de sport. Pourquoi est-ce que vous avez un centre commercial et il n'y a personne qui y va? J'ai jamais vu un centre commercial aussi calme. Mais ça va ici, c'est un peu joli et tout, il y a un peu de la vie. Ah, il y a des gens à l'intérieur, waouh! La civilisation! Ah, mais ça va, il y a des gens. En fait, c'est juste que vous restez à l'intérieur. Ok, mais ça va en fait. Ok, donc là on a mis tous les restos qu'il y a ici. Ah, puis toi cette fois. Non. Vous savez, c'est pas ma faute. Enfin! T'aurais été moins flex, elle est tombée sur Otaku si j'avais appuyé sur l'un. Comment j'ai la poisse dans ma vie. Là, déjà, on a trop mangé, j'ai envie de dormir. Elle doit se trouver en haut, du coup, on reprend la roulette. On va mettre tous les magasins d'habits féminins qu'on va voir. On va voir où elle va acheter son haut. Mon magasin, j'achète tous mes bijoux, mon bébé. Mais moi, je dois acheter des bijoux, piercing gratuit. Les gars, il est marqué piercing gratuit. Mais c'est quoi ce stud? Est-ce que je vais me faire un nouveau piercing? Andrea, il est marqué piercing gratuit. Ben vas-y, on me demande. Qu'est-ce que c'est? Et parce que le lobe. Je crois que c'est bon, hein. Je peux faire ma roulette. Non, mais attends, je suis en deuil là. Hein? Tu me voyais déjà avec un nouveau piercing? J'ai envie de me percer les oreilles maintenant. Tu te. Non, je vais pas rajouter, hein, ça va être. Ouais. J'ai déjà deux. Oui, mais j'en ai déjà trois. Je peux en mettre un quatrième sur la roue. Attends. Je te jure, Akira. Franchement, j'aurais trop voulu qu'il soit marqué Lola Lisa. Je te jure. Il y aura des fleurs et tout. Les gars, je viens d'avoir le coup de cœur de ma vie. Regardez-moi cet ensemble. Genre, je serais pas incroyable dedans. Quand j'ai ma paye, je reviens aux arts. Attends, ça veut dire quoi ça? Tu veux me dire que ça, c'est pas beau? Tu sais pas comment elles sont magnifiques? Je mets un petit tailleur noir ou ce tailleur blanc là-bas avec ça. Arrête de mentir. Oh my god, ce petit sac et tout. Non, ça c'est moche, on dirait une nappe. Je suis fauchée. En fait, là, tu vois, je suis en train d'imaginer toute ma paye partir pour Zara, là. Il y a tellement de... Mais cette fille est folle, cette fille est folle. Il n'y avait que des pépites et elle achète rien partout. Moi, j'aime pas les couleurs flash. Je me suis ruinée juste en regardant. Elle achète rien. Elle a rien acheté. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des trucs des sequel vibes, genre... Pardon. Très fleuri. Pardon. Moi, je vous dis, je m'appelle, j'achète mon petit ensemble vert. Waouh! Si t'achètes un truc chez H&M alors que ça ressemble à ça et que t'as rien acheté chez Zara, je te change les lunettes. Il y a peut-être juste ce petit haut brun. Ça, j'accepte. En fait, tout le H&M, c'est genre la petite maison dans la prairie et puis il y a le côté TikTok. Genre. Toutes les tiktokeuses en sous-su ici, ouais. Je dis ça comme si j'en étais pas une et que j'ai pas envie de tout acheter. Bon, finalement, j'ai lâché mes 13, donc là. Pourquoi tu t'es arrêté comme ça?
À la gare? Pourquoi c'était 10 minutes à l'aller? Arrête de mentir. Hein. De toute façon, je me rappelle du chemin, viens. T'es sûr? Début, tu vas tout droit là-bas, puis tu tournes. Puis il y aura le pont de merde. Ah non, c'est là-bas, je me rappelle, il y avait des livres. Non, franchement, ça va, là, on arrive à la gare, genre... Google Maps, c'est grave démenti, on arrive en 5 minutes, ça va. J'arrête un peu de vous critiquer, les Monsois. Je sais pas comment on dit. Et pour moi, ça me semble logique de dire Monsois, tu vois. Habitant de Mons. Oh, mon toit. Monsois. Ah, j'ai des tas. Je suis trop chaude, Les gars, je vous avoue que j'aime pas trop la tournure que ça prend. On est à côté de l'autoroute. On recherche un arrêt de bus. On est deux personnes qui ne savent pas lire le GPS. Je suis à ça de faire du stop. Hein. Je suis à ça de faire attends, du stop. Les gars, on va où? On est censé aller là. On doit traverser l'autoroute, mais là-bas. Bon, allons à l'aventure. Hein. On doit vraiment aller en dessous. Mais. Ça, si je vois une personne bizarre, je hurle. Je hurle. J'aime pas les trucs comme ça. Ok, on va aller voir là-dedans. Ah! Bon, on va vraiment traverser l'autoroute. Ça fait très moyenâgeux tout ça. Ça fait quoi? Me laisse pas toute seule! Me laisse pas toute seule! Elle m'a fait trop peur! On dirait des folles, je te jure, elle m'a fait trop peur! Là, on fait un faux pas, on meurt! Genre, au sens propre du terme! En fait, c'est celle qui voulait pas faire de golf au début de la vidéo qui dit ça quoi. Tu sais, je trouve que les Bruxellois on est tellement pas débrouillards parce qu'en fait c'est tellement facile à Bruxelles que quand t'es hors de Bruxelles, putain, je me sens perdue. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis en transport sans ma mère. Madame Stockard en sueur. Oh my god. Attendez là. Attendez. Le mec du train il a dit c'est comme en boîte. Foutez pas de ma gueule. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il a dit, c'est comme en boîte. Là, ça fait plutôt Blanche-Neige et les sept nains. Ça fait pas très Bloody Louis, tout ça. Ah non, 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 parce que je pense que c'est deux golf. Parce que ça, c'est quoi? Ça se coiffe. Ouais, il avait raison, hein, ça fleur et tout. On a pris le golf intérieur parce que faut deux. Ah ouais, mais wow. Voilà. Voilà. Ça ressemble un peu plus aux descriptions qu'il m'a donné. Je veux une tasse de luxe et des cups. Ce soir on va taper un cop et celui qui les parle c'est mon maman le cut. Je veux une tasse pis de luxe et des cups. Sans rien faire bizarre manger la cote. Et ces mecs on me parle comme si on était potes. Dans ma mif on a tout la contrôle. Et j'ai dit je veux une tasse pis de luxe et des cups. Sans rien faire bizarre manger la cote. Et ce soir on va taper un cop et celui qui les parle c'est mon maman le cut. Je t'en pour la pression nous on n'est pas précis. Si je vise à la gâchette c'est normal je suis précis. Toi tu veux nous bouiller la pesette elle précise. Y'a plavon on passe dans ces petits êtres qui passent. Y'a un clé à visage attends. Je suis dans le bâti, tu fais seulement un trou entre ta mère raciste. Y'a 5 de mes bâtards à l'air de l'Asie. Les 4 sont pour par contre, on les a fait assez. Elle voudrait des roses, mais moi je veux des euros. On préfère travailler pour tous les rôles. Tous ceux qui portent l'œil, je les ai vus, c'était eux, je me retire. Ok, le score est très serré, donc Andrea. Ouf. Ok, et moi? Qui a dit les derniers sont les premiers, c'est tout ce que j'ai. Le perdant va payer le Starbucks. Allez, merci tout le monde. Regardez, de base, le mini golf, à Thierry, devrait ressembler à ça. Non. On est passé du Bloody Louis à Blanche-Neige et les sept nains. Même si j'en fais partie. Bon, on reprend la route. Oh, putain, voilà, voilà. Voilà. Oh. Voilà. En gros, c'était vraiment notre bus, Mons SNCB. Voilà. C'est comme ça.
putain. Je vous jure, comme on a la poisse aujourd'hui, on a couru pour deux transports. On a couru pour le train. On a couru pour le tech. C'est ma vie là. Ok, donc là, on a envie d'aller au bowling. Mais bon, comme c'est la route et ça s'est décidé. Vas-y, bowling, on rentre. Oh my god. On va au bowling. Voilà. On a pas triché. Imagine Park. Ah mais oui, oh, j'avais même pas vu. On sait même pas on est où. Ah gars. On suit les conseils, on suit les conseils, on m'a recommandé. Le karting. Un truc de karting. Est-ce pas qu'on va reprendre la roulette? Parce que là j'ai envie de faire du karting. Déjà, attends, faut qu'on voit le prix. Ouais, faut qu'on regarde le prix. Karting maintenant. Est-ce que je m'en fous du bowling? Bowling, bowling. C'est ça. Alors que bowling, il y a déjà des. Je pense qu'on va faire la roue pour savoir si on fait de l'autostop. Elle est folle, je vous jure. Comment ça a l'air bien. Bon, eh, j'espère que c'est un prix abordable. Si, franchement, s'il reste assez juste pour le ticket de train, je m'en fous du prix. Tant que j'ai assez pour mon ticket de train, je fais ce karting. Les activités à refaire parce que malheureusement il nous reste 24€ et le train c'est 6€. On va rentrer cette fois à Gand. Est-ce qu'il y a un Gand déjà? Donc on a raté tout ça. Si j'avais ma paye on aurait pu faire ça. Mais on va retourner, je m'en fous. Ouais, ouais, on va retourner à juste pour faire du karting. Du coup, là, on a pris une petite glace parce qu'il y a 20 minutes d'attente pour le bowling. Dans tous les cas, flemme de repartir à la gare et d'avoir toute une activité. Donc, on va faire une glace, on va faire le bowling et puis on retourne à la baie. Et tu vas la tour pour faire le bug. Je sais pas ce qu'elle veut. De nul au bowling, qui sera la moins nulle? Qui sera la moins nulle? C'est la question. Vous voyez ça? C'est l'auvers à mi. C'est vraiment le j'ai confiance en Dieu et mon karaté. Pétasse s'arrête, faut pas t'attacher. Je suis ni ton pote ni ton fiancé. J'ai antipathique, j'ai le cœur glacé. La fête réparée comme cœur glacé. Trois cachettes, un texte. Faut la palette, faut que je pète un dit. Moi je pense que c'est juste Bruxelles qui me réussissait pas, tu vois. En fait j'étais pas nulle, j'étais juste dans la mauvaise ville. C'est ouf hein. La casquette, c'est pas pour faire des snappés. T'as tout à fait, là je suis trop pété. J'ai oublié d'envoyer des sons d'été. Hey, la casquette, c'est pas pour faire des snappés. T'as fait que t'as fait, là je suis trop pété. J'ai oublié d'envoyer des sons d'été. Oh, j'ai condamné à faire des sons aux années. Pour faire rentrer pire, n'ayez pas, j'ai plus sommeil. Oh, t'es désolé, c'est un coup d'excusé. J'ai rentré tes billets, mon vie dans ta peau, t'es plus la même. Tu plaises, un mec, t'es gros, si t'es pas des nôtres, faut que tu t'aises. Ça fait rentrer un max de quichta pour mettre bien ma mère. Ça fait descendre la caisse. Si la tasse me fait la caisse. Faut que tu taises. On a tapé des ronds dans la ville pour gratter des pièces. Ça fait rentrer un max de quichta pour mettre bien ma mère. Ça fait descendre la caisse. Si la tasse me fait la caisse. Voilà. Ça sent les sous par là en loose des comme un sous-marin. Mes cadeaux sous ça pas vite à caisse dans le sac. La manie. J'ai un dictateur comme Staline. Si on se part d'ici, j'ai de billets. J'suis un plat qui stomme sur ma guenille. J'suis sur un plafond avec Dagi. Les faits sont graves comme un tour d'Aziz. Moi dans la zig, mes gars dans l'hachiche. Les plans de citron, ils ont 4 Zanzis. Là, j'pense que j'aurai un deuxième Starbucks. Ouh! Yes! Yann! T'es pas stock, j'suis dans le peurin, c'est trop fantastique. Wow, j'serais condamné à faire des sons toutes années. Pour faire rentrer billets violets. T'inquiète pas, j'ai plus sommeil. Hein, t'es désolé, c'est trop tard pour t'excuser. J'ai rentré des billets. T'es plus la même, tu plaises. Un mec plus gros si t'es pas des nôtres, faut que tu taises. On a tapé des ronds dans la ville pour gratter des pièces. Ça fait rentrer un max de cul. Ça fait descendre la caisse. Si t'as ta stuff, fais la thèse. Faut que tu taises. On a tapé des ronds dans la ville pour gratter des pièces. Ça fait rentrer un max de cul. Tigui, tigui.
J'ai vu. Attention, j'ai gagné. Ah, du coup, là, on va retourner à la gare. Là, on est revenu à la gare, mais c'était aussi avec le bus. Il y a des trucs à... Il y a des trucs à manger, genre. Genre. C'est pas une gare paumée comme on pense. C'est ça. Elle a finalement eu son. C'est ça, ça. Du coup, c'est qui va s'achever la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche. On se revoit samedi prochain à 20h pour une nouvelle vidéo. Et voilà, mais moi je suis fatiguée, donc on va aller dormir. Bisous.